Bonjour et bienvenue à la session d'information pour le programme de maîtrise interdisciplinaire en santé qui est tout nouveau depuis septembre dernier. Comme Pascal mentionnait, puis vous voyez mon nom à l'écran, je m'appelle Nathalie Carrier et je suis la doyenne de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires. Je suis également professeure à l'École de sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales, donc professeure en nutrition. Et je suis choyée aussi de pouvoir participer à l'enseignement d'un cours dans ce nouveau programme. Sans plus tarder, comme vous voyez à l'écran, je vais vous présenter un peu le déroulement de la session et comment est-ce qu'on va vous partager ces informations-là pendant le prochain à peu près 50 minutes. Donc, la première chose qu'on va vous partager, ce sera les fondements du programme et sa structure. Puis vous aurez aussi la chance de rencontrer la directrice du programme qui est Sylvie Robichaud-Extran, ainsi que les différents professeurs qui enseignent les cours dans ce programme. On est aussi chanceux d'avoir le témoignage de deux de nos étudiants qui sont inscrits au programme cette année. Puis là, je vois qu'une de ma collègue du réseau de santé et vitalité, Brigitte Soigné-Ferguson, ainsi que Mme France Le Breton, nous parlerons des priorités de recherche au sein du réseau de santé Vitalité, qui dans le fond est un de nos partenaires principaux de ce programme. Vous allez aussi apprendre que depuis un certain temps, le réseau offre maintenant qu'est-ce qu'on appelle des unités cliniques apprenantes. Donc, c'est une des stratégies principales du réseau de santé. Finalement, comme Pascal mentionnait, nous conserverons du temps pour répondre à vos questions à la fin. Toutefois, si vous avez des questions au courant de la session, s'il vous plaît, gênez-vous pas de les déposer dans le chat. Puis, Pascal pourra nous partager ces questions-là à la fin pour qu'on puisse ne pas manquer des questions importantes. La prochaine diapo. Donc, comme on avait mentionné lors de l'invitation, pendant cette session, nous espérons répondre aux grandes questions suivantes. Donc, pourquoi est-il important, même essentiel, d'étudier la santé sous une perspective interdisciplinaire? Et quelles sont les particularités du programme et la structure du programme? Ainsi que, qu'est-ce que ça implique la recherche collaborative et le partenariat pour ce programme en particulier? Puis, qui sont les équipes qui co-enseignent les cours et qui co-dirigent les thèses des étudiants dans ce programme? Donc, la prochaine diapo est aussi une question qu'on souhaite répondre. À qui s'adresse ce programme? Donc, c'est certainement une des questions qu'on souhaite répondre aujourd'hui. Donc, le programme, que vous soyez diplômé d'un programme en santé comme la nutrition, la kinésiologie, etc., ou bien d'un programme connexe à la santé comme la criminologie ou l'éducation, et vous avez un intérêt pour la santé des individus et des communautés, ce programme, dans le fond, s'adresse à vous. Si vous êtes aussi déjà sur le marché du travail comme professionnel de la santé et que vous cherchez à solutionner des problèmes de santé complexes par l'entremise de la recherche scientifique, ce programme s'adresse à vous aussi. Donc, le programme s'offre à temps plein ainsi qu'à temps partiel et nous envisageons aussi offrir les cours à distance l'année prochaine, donc en 2021-2022. Donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant ma collègue Annick Dubé, qui est professeure à l'École de sciences infirmières, à nous expliquer pourquoi il est important, même essentiel, d'étudier la santé sur une perspective interdisciplinaire. Allez. Merci Nathalie. Merci Sylvie. Allô tout le monde. Pour ma part, la santé des populations est un volet qui m'intéresse énormément, le volet communautaire pour les infirmières et l'équipe interdisciplinaire. Fait que les déterminants de la santé ont été changés, les 12 déterminants, en juillet 2019, puis sont en changement ou en vérification, si vous voulez, à chaque année. Mais la perspective interdisciplinaire est importante, surtout en recherche et surtout en santé, parce que la façon dont on voit
l'éducation, par exemple, ou l'emploi ou le revenu. Puis, comment est-ce que ça affecte la santé des populations, la santé des individus? Tout le monde a sa propre perspective par rapport à ceci. Que ça soit ma collègue en nutrition, que ça soit ma collègue en psychologie, ma collègue en kinésiologie et moi-même en sciences infirmières, on a tout un apport ou une vision ou nos lunettes de disciplinaires, si vous voulez, pour parler justement de comment est-ce que les services de santé influencent l'état de santé de la population. Comment est-ce que la nutrition ou le comportement de santé sur l'alimentation saine, justement, influence la capacité des populations d'être en santé? L'état du chômage. Pourquoi ceci est particulièrement important pour le Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick, on sait très bien qu'il y a plusieurs populations qui sont à risque à l'intérieur du Nouveau-Brunswick. L'état de santé, il y a des populations en santé, il y a des populations en moins bonne santé. L'état des maladies chroniques sont particulièrement importantes au Nouveau-Brunswick, au niveau du budget fiscal de la santé. Et comment est-ce qu'on approche la prise en charge de ces populations devient particulièrement important et une assise pour justement assurer une meilleure plateforme de cette prise en charge-là, c'est les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé sont vus comme des gradients de santé. Donc, comment est-ce qu'on assure une prise en charge et comment est-ce qu'on voit cette prise en charge-là devient collectivement un effort à travers de diverses professions, comme justement tous les différents professionnels de la santé qui œuvrent au sein de nos systèmes de santé ou communautaires ou ailleurs. Et pour ma part, c'est ceci pour les déterminants de la santé. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Donc, j'inviterai maintenant ma collègue Sylvie Robichaud-Extrand à poursuivre avec la session. Oui, bonjour, merci. Merci de tous les participants à cette session d'information. Je sais que votre temps est très précieux, puis j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions à votre goût. Alors, le programme est fondé sur 4 approches principales, dont la première est l'approche interdisciplinaire, l'approche collaborative avec des partenaires, l'approche par compétences, ainsi qu'une approche programme. Si vous examinez cette diapo, puis vous voyez qu'il y a 2 personnes qui sont en train de faire un casse-tête. Je suis pas mal certaine que vous avez toutes fait des casse-têtes dans votre vie. Alors, vous arrivez avec votre petite pièce de casse-tête, puis là, vous cherchez un autre, vous ne le trouvez pas tout à fait. Puis tout d'un coup, votre mononcle, ou votre mononcle arrive avec l'autre pièce de casse-tête. Ou bien votre sœur, votre meilleure amie, et là, elle la met ensemble. Puis tout d'un coup, vous demandez, c'est quoi l'image complète de ce casse-tête? Bon. Alors, le programme de maîtrise interdisciplinaire en santé, c'est exactement un casse-tête. Où est-ce qu'on regarde des situations complexes de santé? Où est-ce qu'on a une personne qui examine selon leurs lunettes et leurs perspectives, la santé, selon une discipline particulière, et une autre personne qui examine une autre section de la santé ou un modèle connexe à la santé pour arriver à trouver des meilleures solutions pour résoudre des problèmes de santé complexes. Pour pouvoir démontrer de façon concrète, l'attribution entre les 2 disciplines, nous avons l'opportunité et le privilège d'avoir 2 étudiants pionnières du programme, Alena Thompson et Fanny Haché, qui vont vous présenter leur parcours qui est différent, ainsi que leur sujet de leur thèse qui est vraiment co-dirigé par quelqu'un d'une discipline et une autre discipline qui, ensemble, vont pouvoir trouver des solutions intéressantes de façon qualitative, de façon quantitative, aux problèmes de santé. Alors, je laisse la parole à Alena Thompson. Est-ce qu'Alena est là? Je ne pense pas qu'elle est rentrée dans la session. D'accord. Peut-être Fanny pour commencer. OK, on va passer à Fanny. Fanny? Bonjour tout le monde, puis merci de m'avoir invité à parler. Fait que mon nom, c'est Fanny. Je suis infirmière en cardiologie.
Puis j'ai complété mon baccalauréat ici à l'Université de Moncton, puis décidé de faire mes études supérieures avec l'Université de Moncton encore, à maîtrise interdisciplinaire. Pourquoi j'ai choisi la maîtrise, cette maîtrise ici en particulier? C'est parce que je voyais beaucoup un besoin de santé mentale chez ma population cardiaque. Comme je vous ai dit, je suis infirmière avec la population d'insuffisance cardiaque. Puis, avec leurs expériences de vie, fait qu'ils sont admis avec des... ils ont beaucoup de patients à l'hôpital, avec beaucoup de traumatismes reliés à ça, qui est, mettons, avoir un choc de leur défibrillateur ou un arrêt cardiaque, ou d'être intubé aux soins intensifs. Ils nous viennent avec beaucoup ils souffrent beaucoup d'anxiété, dépression et même de PTSD. Puis nos ressources sont vraiment limitées pour aider cette population-là. Fait que moi, ça me tient vraiment à cœur de poursuivre mes études pour leur apporter les outils, des meilleurs outils pour dealer un peu mieux avec leur situation de santé mentale. Fait que j'ai été mis en contact avec Dr. Jalila Gébilou, qui est médecin, qui est ma directrice, et Dr. France Talbot, qui est ma co-directrice et elle est psychologue. Dans le fond, c'est une approche vraiment interdisciplinaire pour mon problème de santé, ma problématique de santé. Fait que, ayant un background en yoga, je suis instructrice de yoga, la santé mentale est super importante, mais aussi le mindfulness. Fait que le titre de ma thèse, c'est la pleine conscience pour soutenir l'engagement psychologique, mais aussi l'auto-soin et le fonctionnement physique chez ces personnes-là. Fait qu'il y a plusieurs aspects qu'on va aller chercher qui va apporter vraiment de la recherche qualitative, mais aussi un petit peu de recherche quantitative. Fait que mes cours options, dans le fond, vont être les fondements épidémiques de méthodes quantitatives et qualitatives pour avoir un petit background dans les deux. Puis aussi SNT 62-13 qui va être vraiment basé à l'analyse qualitative là, pour avoir une base solide pour mon projet de thèse. Fait que c'est un petit peu mon cheminement et mon pourquoi d'avoir choisi cette maîtrise-là. Je suis super excitée de poursuivre mon cheminement. Merci. Oui, merci beaucoup, Fanny, d'avoir partagé ton expérience. C'est vraiment intéressant. Puis on espère d'en avoir plusieurs comme toi qui vont se joindre à notre maîtrise. L'autre approche qui est à privilégier dans le programme, ça s'appelle l'approche par compétences. En fait, à la fin du programme, les diplômés du programme vont avoir acquis une pensée critique, une expertise en recherche, une communication avec des partenaires qui soient de la communauté scientifique ou le grand public, une collaboration entre eux autres dans des équipes de recherche et aussi avec des partenariats. Et aussi, ils vont avoir effectué certains services à la collectivité par l'entremise d'activités d'érudition qui vont devenir érudits. Alors, à la fin du programme, ils seront en mesure d'intégrer des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-agir, d'intégrer aussi les savoirs d'expertise en recherche par l'entremise de leur thèse, de communiquer de façon aisante avec différentes populations, de collaborer évidemment en équipe. Et de cette façon-là, ils pourront transmettre leurs résultats de recherche et aussi les appliquer de cette façon-là au milieu de pratique dont les sujets font partie de l'étude. Quelle est la structure du programme? Le programme est de 45 crédits. 45 crédits, c'est vraiment la moyenne. Des maîtrises recherche en Atlantique et aussi dans les autres provinces canadiennes. Il comporte 39 crédits de cours obligatoires,
puis, mais particulièrement dans les parties des cours obligatoires, 24 crédits est dédié à la thèse. Avec tous ces cours obligatoires-là, vous voyez qu'il y en a qui sont de un crédit, mais ils sont étalés sur 3 semestres à un crédit pour l'équivalent de 3 crédits. Alors, dans les cours options, pour les personnes comme Fanny qui font une étude qualitative ou mixte, le cours d'analyse qualitative est exigé. Par la suite, il y a aussi d'autres cours qui peuvent être faits par l'étudiant en études dirigées en santé ou connexes ou tout au cours de niveau 6000 qui va apporter quelque chose à la thèse de l'étudiant. Alors, le programme, en sommaire, utilise des méthodes qualitatives, quantitatives ou mixtes pour le projet de thèse, effectue des collectes de données auprès de sujets, que ce soit vos collègues, quelqu'un de la communauté, de patients, que ce soit hospitalisés ou en réadaptation à la maison ou dans une autre place, et aussi peut avoir une collecte de données à partir des grandes banques de données comme Statistique Canada ou les banques de données spécialisées provinciales, les maladies d'Alzheimer, la criminologie, etc. Il est aussi possible pour les étudiants de se mettre ensemble pour faire une même collecte de données ou avoir une même banque de données pour étudier un phénomène complexe. Cependant, la thèse doit vraiment étudier par chaque étudiant, par chaque thèse, des phénomènes, différents concepts pour justement, comme j'avais expliqué, d'avoir non seulement 1, 2, mais 3 puis 4 différents concepts pour étudier un domaine complexe qui nous arrive le plus proche possible à trouver les différents angles de voir la situation pour pouvoir arriver à répondre aux défis de la santé. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui font du coup un segment de chacun cours. On va commencer avec la session d'automne. Alors, je demanderai à Marie-Ève Laforêt de prendre la parole. Et quand elle va prendre la parole, j'imagine que son image à elle va venir grande pour pouvoir la voir présentée. Est-ce que tu es prête, Marie-Ève? Oui, je suis ici. Est-ce que vous me voyez? Ton volume n'est pas fort, Marie-Ève. Oh, OK, juste une minute. Là, est-ce que c'est mieux? J'écoute, j'utilise les mêmes écouteurs, là. Bon, Marie-Ève, si vous allez d'en bas où il y a l'icône de la vidéo, vous pouvez cliquer sur la flèche qui monte vers le haut, puis aller dans vos settings de vidéo. Video settings. OK, puis là, si je vais dans... Après, il devrait avoir une icône audio. Dans le menu de gauche. Où vous pouvez ajuster le volume de votre microphone. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Ça, c'est le plus fort que ça va. Dans le output? Oui, dans le microphone. C'est le output volume qu'il faut que tu ajustes. Oui, c'est ça, le output, mon mic. Vaut mieux si je parle comme ça? Oui, beaucoup mieux. Parfait. Ben, je vais juste enlever mes écouteurs. J'ai l'habitude de passer à travers les écouteurs, mais je vais juste l'enlever. Donc, bonjour tout le monde, puis bienvenue à cette session d'information. Comme ils ont dit, moi, c'est Marie-Ève Laforêt, puis je suis professeure à l'École de sciences infirmières. Donc, ma profession, je suis infirmière de carrière, puis maintenant, je suis professeure en sciences infirmières. Puis, mes intérêts de recherche, moi, ça se tourne toujours autour principalement de la santé des enfants et de leurs familles, puis plus précisément, les enfants qui ont des besoins particuliers. Je m'intéresse à la santé puis au bien-être des enfants à besoins particuliers. Puis, s'il y en a d'entre vous, c'est des perspectives de recherche qui vous intéressent, je peux prendre des nouvelles étudiantes à la maîtrise en recherche interdisciplinaire. Donc, moi, je suis responsable d'enseigner le cours SANT 6113, qui est Avancement en recherche, avec ma collègue Claire Johnson. Donc, le cours d'avancement en recherche, ça le dit un peu d'avance, c'est vraiment, on veut vous faire avancer vos intérêts en recherche. On veut amener l'étudiant à développer ses intérêts-là pour la recherche,
puis de se cibler un sujet d'intérêt, une population d'intérêt ou une situation de santé. La plupart du temps, vous avez déjà une idée avant de venir. Si on prend l'exemple de Fanny, qu'on a eu le plaisir d'enseigner à l'automne, est arrivée déjà avec sa population cible et son sujet d'intérêt. Mais on vous amène à développer puis à réfléchir sur votre sujet de recherche, mais toujours dans une perspective de la santé des populations. Donc, c'est vraiment notre premier cours, qui est le premier cours de la maîtrise, où est-ce qu'on va vous présenter le modèle de la santé du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on aborde les différents déterminants de la santé, qu'on vous fait analyser puis réfléchir sur les besoins des différentes populations à travers les déterminants. Puis parce qu'on est dans une perspective interdisciplinaire, on parle aussi puis on aborde les aspects d'une approche interdisciplinaire en recherche. Donc, on vous amène à cibler c'est qui les informateurs clés sur votre situation de santé ou votre population. On vous amène à faire des partenariats avec des agences communautaires, des organismes, des informateurs clés, des patients, des clients, des patients partenaires qui pourront peut-être participer au processus ou au développement de votre recherche. Donc, le but du cours, c'est vraiment de faire avancer vos intérêts en recherche, mais en ciblant toujours les besoins d'une population dans une approche populationnelle puis une approche interdisciplinaire. Puis, à la fin, on veut vous permettre, dans le fond, de comprendre puis d'être capable d'effectuer des étapes préliminaires d'une recherche interdisciplinaire qui cible les besoins d'une population précise. Votre besoin peut déjà être prédéterminé avant de venir dans le cours ou sinon, à travers l'analyse du modèle populationnel, on vous fait réfléchir sur les besoins des populations puis on vous amène à déterminer un peu un sujet de recherche. Puis dans le cours, on utilise différentes méthodes, des exposés PowerPoint, on utilise des discussions avec les étudiants, beaucoup de lectures, d'analyses d'articles. Puis on vous amène à faire aussi des cartographies communautaires pour aller voir les ressources qui existent sur votre situation de santé ou votre population. Puis on vous amène à développer un projet préliminaire interdisciplinaire. Donc c'est un petit peu ça pour le cours d'avancement en recherche. Que Bradley voudrait prendre la parole ou Jérémy pour présenter le cours d'analyse quantitative. Oui, OK. Donc, salut tout le monde. Mon nom, c'est Brad. Je suis professeur adjoint en psychologie. Mes recherches, eux, ils portent beaucoup sur les éléments fondamentaux de la cognition humaine. Et dans le fond, j'essaie de répondre des questions qui sont faciles, qu'on prend souvent pour acquis par rapport à nos habiletés en termes d'humain. Donc, souvent, moi, j'essaie de répondre des questions telles que comment est-ce qu'on est capable de reconnaître la couleur rouge? Comment est-ce qu'on est capable de savoir que c'est un carré? Est-ce que deux éléments sont pareils ou différents? Pourquoi qu'on est capable de juger, de faire ces décisions-là? Et puis, une fois que je fais mes analyses, une fois que toutes les analyses sont faites, dans le fond, j'essaie de faire un ordinateur, refaire la tâche et de trouver les mêmes résultats. Donc, un élément de modélisation que j'ai introduit. Je suis un des co-professeurs pour le cours de 61-33, donc le cours d'analyse quantitative. Et je l'enseigne avec Jérémy Dupuy, que je peux donner la parole pour s'introduire aussi. Oui, bonjour, moi c'est Jérémy Dupuy. Je suis directeur général du Centre de recherche et de développement en éducation, qui est un centre de recherche affilié avec la Faculté des sciences de l'éducation. Mon domaine de recherche, j'essaie de créer des modèles mathématiques qui pourraient trouver les probabilités que les jeunes souffrent de santé, des problèmes de santé mentale. Et ça fait que je suis beaucoup avec les plus jeunes enfants, la maternelle, la cinquième année. Mais vraiment, c'est vraiment une optique très, très mathématique. C'est pour ça que j'enseigne le cours d'analyse quantitative avec Brad. Mais en tout cas, ça fait je vais laisser la parole à Brad pour expliquer un petit peu le cours. Là. All right. Donc, c'est ça pour nous autres. On a la chance d'enseigner le cours préféré à tous les étudiants, qui est le fameux cours de stats. Dans le fond, on utilise nos expériences de recherche en éducation, en psychologie, pour essayer de guider les étudiants à faire leurs propres statistiques et de promouvoir, dans le fond, l'indépendance à faire des analyses quantitatives et de trouver des solutions pour des problèmes que des fois, ils peuvent être assez flous, des problèmes que des fois, on n'est pas trop certain comment naviguer les données comme telles. Au courant du semestre, on enseigne une grande, grande variété d'analyses. On commence vraiment par la base. On se rend des analyses qui sont assez complexes vers la fin du semestre.
Mais dans le fond, ce n'était pas juste un cours de stats classique qu'on enseigne, c'est vraiment un cours qui essaie de promouvoir la responsabilité d'un chercheur au courant des analyses comme telles. Donc, il y a beaucoup de décisions qu'un chercheur doit faire au courant des analyses pour décider, comme par exemple, est-ce qu'une donnée est aberrante ou non? Est-ce que je dois l'enlever ou non? Et c'est des grandes questions que des fois, il n'y a pas vraiment des solutions, il n'y a pas vraiment des réponses qui sont exactes. Donc, nous, on essaie de guider les étudiants pour être capables de répondre à ces questions-là par eux-mêmes. Donc, on apprend beaucoup d'analyses au courant du semestre par des cours magistraux, on a des PowerPoint, on donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices au courant du semestre. Et puis, dans le fond... On fait beaucoup de jokes aussi. Oui, mais c'est ça, on fait beaucoup de jokes, on essaie de offrir un peu de détendre les étudiants par rapport à leur anxiété statistique, que c'est quelque chose qui est palpitable par bout. Mais dans le fond, on veut créer des étudiants qui sont indépendants puis qui ont une capacité d'analyser les données par soi-même pour qu'une fois qu'ils sont arrivés à leur thèse, ils sont capables de savoir les lignes générales de qu'est-ce qu'ils vont faire, de savoir comment nettoyer leur base de données, savoir quel type d'analyse qui pourrait donner des résultats intéressants et quel type d'analyse qui ne serait pas à faire, dans le fond. Le travail final, dans le fond, dans le cours, c'est d'analyser une base de données secondaire. Donc, c'est à eux de trouver une base de données en ligne, faire les analyses qu'eux pensent qui sont importantes par rapport au cours. Et dans le fond, c'est de créer cette indépendance-là par rapport aux stats puis par rapport à leurs données comme telles pour qu'une fois que le semestre est terminé, sont prêts à commencer leur thèse, commencer à leurs analyses. Merci beaucoup, Brad et Jérémy, d'avoir donné. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut prendre les résultats puis l'appliquer aussi au point de vue des analyses cliniques pour voir si ça peut être pertinent, non seulement de façon statistique, mais aussi de façon clinique. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Alors, le prochain, ça va être les méthodes de recherche. Méthode de recherche est enseignée par Stephanie Ward de l'École de nutrition et moi-même. J'aimerais vous présenter Stéphanie de façon plus virtuelle. Si je peux aller à la prochaine diapo. C'est parce qu'elle enseigne présentement un cours de façon simultanée, alors elle est à deux places en même temps. Alors, voici Stéphanie, qui va vous expliquer le cours et ses intérêts de recherche. Donc, bonjour, futurs étudiants et futures étudiantes. Mon nom est Stéphanie Moule et je suis diététiste et professeure en nutrition ici à l'Université de Moncton depuis 2017. Entre autres, j'enseigne une variété de cours spécialisés en nutrition, incluant l'alimentation différenciée de la vie, et un cours en nutrition sportive qui est offert aux étudiants en physiologie et en nutrition. Donc, en plus d'enseigner des cours de premier et de deuxième cycle, je suis aussi très active dans le monde de la recherche. Donc, je suis spécialisée en santé communautaire avec un intérêt particulier pour tout ce qui est la promotion de la santé, de la saine alimentation et de l'activité physique chez les enfants et les adolescents. Donc, mes projets de recherche ont tendance à être soit basés sur l'évaluation de programmes de promotion de la santé dans les milieux éducatifs, comme les garderies ou les écoles, et d'investiguer l'influence de l'environnement social et physique sur les comportements de santé de nos jeunes. Donc, comme vous le savez tous, promouvoir la santé chez les individus, c'est une tâche qui est super complexe. Donc, ça nécessite qu'on soit capable d'adresser une problématique de santé sous différents angles. J'oubliais en fait la pertinence de faire de la recherche interdisciplinaire. C'est pourquoi les projets de recherche incluent souvent des aspects de différentes disciplines, que ce soit la nutrition, l'activité physique, l'éducation ou autre. C'est probablement cette expérience en recherche-là que j'ai qui a fait en sorte que j'ai été demandée d'être des professeurs dans le programme de maîtrise interdisciplinaire. Donc, avec ma chère collègue Sophie Robichaud-Extra, nous enseignons toutes les deux le cours de méthode de recherche. C'est dans ce cours-ci que les étudiants et les étudiantes apprennent les différentes étapes de la démarche scientifique et de recherche, surtout de nature quantitative, incluant toutes les considérations éthiques et légales qu'il faut tenir en compte quand on fait de la recherche. C'est aussi dans ce cours qu'on apprend les étudiants et les étudiantes à poser un regard critique sur les écrits scientifiques qui existent et aussi sur son propre projet de thèse. Donc, qu'est-ce qui est vraiment plaisant de ce cours-là, c'est qu'on est deux à l'enseigner. Donc, le fait que Sylvie et moi venons de disciplines différentes, donc moi en nutrition et Sylvie en sciences infirmières, ça fait en
recherche et de travail qui sont très différents. Donc, est-ce que ça nous permet de donner des exemples concrets aux étudiants et aux étudiantes et de les faire voir dans la valeur ajoutée de travailler avec des gens de groupes. Donc, comme vous allez le voir par la présentation des autres professeurs, ce programme de maîtrise vous permettra de devenir des professionnels de la santé qui sont capables d'adresser les problématiques de santé de manière holistique. Et ceci, ça va vous permettre de faire de vrais changements dans la vie des gens. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de présentation et j'espère bien vous voir dans le programme. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc, bon... Bon, alors on est rendu au cours qui peut être optionnel comme il peut être obligatoire, celui de analyse qualitative. Et Christine Paulin va se présenter et donner quelques notions sur son cours. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que vous m'entendez? Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. OK, je pense que j'ai peut-être le même petit souci que Marie-Ève. D'accord. Alors, je vais aller essayer d'allumer plus fort mon... est-ce que là, c'est mieux? Oui. Est-ce que parler directement dans l'ordinateur serait mieux? Je vais essayer ça, oui. Attendez un instant, je vais enlever les... Là, est-ce que c'est mieux? Définitivement. M'entendez-vous? Oui. Est-ce que ta caméra est ouverte, Christine? Je ne vous entends pas. Attends. Ah oui, vous m'entendez. OK, parfait. Bon, fait que désolée pour le petit souci, c'est ça, hein, la beauté de travailler à distance. Mais bon, on s'adapte. Fait que merci Sylvie, mon nom c'est Christine Paulin, je suis professeure à l'École des hautes études publiques à l'Université de Moncton. Chez nous, on enseigne au programme de deuxième cycle en administration publique et en gestion des services de santé. On a aussi un programme combiné de maîtrise en administration publique et droit. Mon expertise à moi de recherche ou la discipline dans laquelle j'enseigne et mes projets de recherche portent, c'est sur l'analyse des politiques publiques. Tout à l'heure, Sylvie, quand tu vas partager les petits morceaux de casse-tête, ça m'a beaucoup parlé parce que on est appelé en analyse des politiques publiques à voir le portrait holistique des choses, à essayer de comprendre plus largement le rouage de l'appareil étatique, les gens qui sont impliqués au niveau du gouvernement quand ils prennent des décisions et tout ce que ça implique au niveau décisionnel, au niveau des types d'enjeux publics en santé. Si on prend ce domaine d'enjeux publics-là plus spécifiquement, il y a quand même plusieurs thématiques de recherche en santé, donc plusieurs sujets où l'analyse des politiques peut être abordée. Mes recherches portent principalement sur les instruments de politique publique, donc tous les dispositifs que le gouvernement décide de concevoir puis de mettre en œuvre pour essayer d'adapter ou de forcer ou d'encourager des changements. Particulièrement, l'instrument qui m'intéresse le plus ou sur lequel portent mes recherches, c'est sur les instruments de participation publique. Encore là, le casse-tête me parle beaucoup parce que quand on élabore une politique publique en incluant davantage les citoyens dans la prise de décision, ben c'est beaucoup de monde autour de la table décisionnelle, c'est beaucoup de morceaux de casse-tête avec des perspectives différentes. Donc, j'essaie de comprendre la conception des instruments, la mise en œuvre des instruments, les facteurs qui viennent influencer le design des instruments, mais aussi les effets de la mise en œuvre de ces instruments-là. Fait que c'est surtout là-dessus que mes recherches portent. Maintenant, j'aurai le privilège à l'hiver 2022 d'enseigner le cours Santé 62-13 avec ma collègue Annick Dubé, un cours qui porte sur l'analyse qualitative. On ne parle pas de statistiques dans ce cours-là. J'espère que les étudiants vont tout de même apprécier. On sera capable de faire des jokes, nous aussi, comme nos collègues Brad et Jérémy, pour essayer de rendre le cours intéressant. Ça parle de quoi un cours en analyse, une méthodologie de recherche qualitative? C'est essentiellement un cours où on essaie d'apporter l'étudiant à comprendre les phénomènes sociétaux, à comprendre les comportements de groupe, à comprendre aussi les faits, les sujets concernés par un enjeu donné, tout ça par l'entremise de différentes techniques de collecte de données comme l'observation directement sur le terrain, l'entretien de recherche ou les entrevues de recherche, vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là avant. On peut organiser aussi des groupes focus où on essaie
de recueillir la perception des gens pour mieux comprendre l'enjeu ou la problématique à l'étude. Il y a le recueil documentaire aussi sur lequel peut porter la stratégie de recherche. Bref, différentes techniques comme ça de cueillette de données qui nous permettent d'avoir un portrait d'ensemble, je dirais, avec la lentille qualitative portant sur l'objet de recherche. Je me permets, en terminant, un dernier exemple pour vous aider à peut-être distinguer, c'est très simpliste, mais un traitement qualitatif d'un sujet comme une recherche qui porterait sur l'amour ou sur l'amitié, bien, un traitement qualitatif de ça, ça pourrait être d'essayer de comprendre comment il perçu, comment il vécu ce sentiment-là par un groupe ou par une population donnée. Qu'est-ce qui influence le sentiment chez les personnes ou les principaux sujets? Un traitement quantitatif, bien là, ça serait peut-être d'essayer de poser la question, bien, combien de fois vous avez été amoureux? Combien d'amis avez-vous? Pour essayer de quantifier davantage au sein de la population ciblée le nombre de personnes qui ont vécu les sentiments amoureux ou en lien avec l'amitié. Très, très simpliste. Évidemment, on a des cours spécifiques pour aborder chacune de ces méthodes-là. Dans le nôtre, ça sera l'approche qualitative. Puis ça nous fera un grand plaisir de vous rencontrer. Déjà, il y a Fanny qu'on aura le privilège de rencontrer et j'espère plusieurs autres aussi. Je me permets, si on a deux petites secondes, de laisser la parole à Annick si elle, elle a quelque chose d'autre à ajouter. Sinon... Moi, je vais dire, j'étais toute emballée par ta présentation. Ça fait que je trouve ça super, Christine, la façon que tu l'as présentée. Puis oui, la dynamique qualitative est particulièrement importante, que ce soit les expériences, les perceptions d'un phénomène, d'une situation ou ainsi de suite. Ça fait que j'ai bien hâte d'enseigner dans ta mise de cours ici avec Christine. Fait que bienvenue tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Christine puis Annick. Maintenant, nous allons passer avec Auréa, qui est titulaire du cours Activités de révision 1, 2 et 3. Ce sont des cours de 1 crédit étalés sur 3 semestres et j'ai aussi Auréa dans ce cours-là. Alors, je vais laisser la parole à Auréa. Auréa, on t'entend comme si tu parlais comme une petite souris. Là, on n'entend plus, par contre. Inquiétez-vous pas, c'est un problème qu'on voit quand même assez souvent, croyez-le ou non. Là, on entend encore en souris. Je me demande, est-ce que vous êtes branché avec un fil avec les écouteurs? Là, on n'entend pas non plus. Habituellement, ce problème-là vient soit des écouteurs ou soit de l'ordinateur comme tel. Est-ce que ça fait habituellement ça lorsque vous parlez en réunion? Non. Si vous allez dans vos options vidéo, en bas, peut-être qu'entre-temps, on peut sauter à une autre personne. Oui, OK, parfait. Alors, Auréa, on va te revenir quand la situation technique va avoir changé. Je laisse la parole à Anne Beaton, qui donne le cours de séminaire de recherche avec Nathalie Carrier. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, Anne, on t'entend bien. Super! C'est ça un peu la réalité du virtuel, hein? C'est ça, exact. Ce qui nous attend. Bonjour tout le monde, bienvenue justement au lancement de la maîtrise interdisciplinaire en santé. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler un peu de ce qu'on fait dans le cadre de ce programme que je trouve tout à fait unique et essentiel. Donc, je me présente, moi je suis Anne Beaton, je suis professeure à l'École de psychologie. Ma formation est celle de psychologie sociale expérimentale. Je fais surtout de la recherche en quantitatif, mais étant donné mon expertise qui des fois m'amène à travailler en communauté, j'ai aussi eu l'occasion de travailler en équipe interdisciplinaire avec des gens qui se calent beaucoup en
qualitatif. Alors, j'ai aussi abordé la recherche qualitative dans le cadre de mes projets de recherche. Qu'est-ce que je fais? Essentiellement, moi, je regarde les facteurs qui amènent des conflits entre un groupe minoritaire et majoritaire, donc des groupes qui n'ont pas nécessairement le même statut. Puis, je regarde aussi l'effet de ce conflit-là sur le comportement puis le bien-être psychologique. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, essentiellement, un bon exemple, c'est un projet dans lequel je suis embarquée en collaboration avec Christine Paulin et puis aussi un collègue Charles Gaucher de Travail social. Et ensemble, nous autres, on regarde la question de l'inclusion des personnes qui ont un handicap sur le marché du travail. Puis on regarde justement non seulement les obstacles, c'est-à-dire le conflit qu'il y a dans leur insertion, alors les préjugés, le stigma à leur égard. Et aussi, on regarde qu'est-ce que ça signifie pour une personne en situation de handicap qui se fait exclure, qui n'a pas nécessairement accès aux emplois de qualité et bien rémunérés. Alors ça, c'est des questions qu'on traite surtout d'ordre qualitatif, où est-ce qu'on mène des entrevues avec des personnes qui ont vécu des problèmes d'insertion en emploi, qui ont différents types de handicap, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres, ce cheminement-là. Alors ça, c'est un exemple d'un type de projet dans lequel je suis embarquée puis qui m'intéresse. J'ai l'occasion, le bonheur de travailler avec Nathalie Carrier pour donner le cours de séminaire de recherche. Tous les étudiants dans ce programme ici se distinguent par la question de recherche qui les anime. Mais une chose qu'ils auront à partager ensemble, c'est l'expérience d'une soutenance de thèse. Et l'expérience d'une soutenance de thèse peut sembler comme une très grosse montagne, comme un défi qui est insurmontable. Bien, Nathalie et moi, nous autres, on travaille dans le cadre de notre cours pour outiller l'étudiant, pour lui permettre de pouvoir cheminer et se pratiquer en faisant une soutenance de thèse qu'on appelle une simulation. Nous autres, dans le cours, on vise 4 différents axes pour préparer l'étudiant. D'abord, on introduit l'étudiant à la planification d'un projet de recherche qui est complexe. Alors, on regarde, par exemple, un outil qui s'appelle l'outil Gantt pour voir comment est-ce qu'on peut planifier un processus qui est complexe, qui nous mène vers, justement, la soutenance de thèse. Puis ça, c'est une expérience qui nous permet de voir avec l'étudiant quels sont les défis qu'ils vont peut-être rencontrer, comment en arriver à relever ces défis-là, puis faire aussi une introspection. Qu'est-ce qui sont pour nous des bonnes stratégies pour peut-être conjuguer avec des problèmes comme la procrastination? Tout ça. Deuxième axe, c'est l'écrit scientifique. Pour nous, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que ça a l'air justement, l'écrit scientifique. Écrire, par exemple, une thèse, écrire, par exemple, un manuscrit de recherche. Alors, on lit des chapitres ensemble et puis on fait des exercices de rédaction scientifique. La communication scientifique, ça, c'est toute une bibitte. Et on regarde ensemble aussi des bonnes stratégies de diffusion des connaissances, parce que ça, pour moi, c'est une responsabilité de chercheur qui est vraiment importante. C'est de savoir comment communiquer, comment transmettre nos connaissances à différents auditoires. Alors, ça, c'est un outil important qu'on essaye justement d'offrir aux étudiants dans le cadre de ce cours-là. Quatrième axe, c'est on a l'occasion aussi de sensibiliser l'étudiant au travail en collaboration avec des populations vulnérables, parce que les étudiants ont à travailler avec un partenaire communautaire et bien souvent, la question de santé est vécue surtout chez les populations les plus vulnérables. Mais qu'est-ce que ça veut dire justement de travailler comme chercheur avec une population vulnérable? On regarde ça sous l'angle justement de l'éthique de recherche avec les êtres humains. Alors ça, c'est les grands axes qu'on aborde dans le cadre de ce cours et évidemment qui se termine avec une simulation de la soutenance de thèse. Je ne sais pas, Nathalie, si tu voulais ajouter quelque chose, si j'ai oublié quelque chose. Vraiment, tout saisi les points importants du cours. Donc, merci beaucoup, Anne. Oui, bonjour, Auréa. Est-ce que le problème technique s'est résolu? Non. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, OK. Ah, ouf. Excellent. OK. Mais je n'ai rien fait. Oh non. Je m'ai juste amusé un peu avec les autres. C'est la même option que j'avais. OK. De toute façon, je ne fais pas. Excellent. C'est bien que c'est résolu. Je suis content que vous m'entendez.
Alors, voilà, donc, comme Mme Sylvie Robichaud-Extra a déjà mentionné, dans le cadre de ce programme de maîtrise, nous offrons ensemble les cours d'activité d'érudition. Il a été déjà dit, ces cours sont d'un crédit chacun, avec l'équivalence de 50 heures chacun, et sont répartis sur trois semestres à partir du premier cours d'activité d'érudition 1 qui est à l'écran, qui débute le deuxième semestre de la première année d'études. En effet, Fanny qui vous a parlé et Alina et les autres, Étienne, les trois étudiants de cette cohorte font ce cours présentement avec nous. En général, ces cours envisagent de façon progressive un apprentissage expérientiel dans les trois fonctions universitaires. Donc, on habitue un peu les étudiants avec les trois fonctions universitaires, dont la recherche, l'enseignement et le service à la collectivité. Les futurs étudiants, donc nos étudiants présentement et les futurs étudiants et étudiants, auront l'opportunité de vivre l'expérience de différentes activités d'érudition, à la fois obligatoires qu'on propose et aussi au choix, qui se lie principalement à l'intégration des savoirs durant ce premier cours d'activité d'érudition 1, mais aussi pour le deuxième, à la transmission des savoirs, où il y aura un lien plus étroit avec l'enseignement érudit, mais aussi pour finir lors du troisième cours avec une application effective de leurs savoirs. Je vous invite en tout cas de découvrir plus pour ceux et celles qui sont intéressés en tout cas donc en faisant une bonne réflexion et en vous inscrivant à notre programme de maîtrise. Je vais prendre mon temps maintenant juste pour m'introduire et de parler un peu de moi. Je suis originaire de la Roumanie, probablement vous avez vu, en tout cas vous entendez mon accent, mais comme j'ai l'habitude de dire dernièrement, je suis acadien par adoption. Alors j'aime cette façon à m'introduire moi-même. J'ai une formation complète, donc le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat en éducation physique et sport. Okay, donc, vous voyez mon équipement. Alors, je suis toujours fier de le porter à chaque occasion. Je suis arrivé au Canada avec ma famille en 2003 et depuis 2005, je suis professeur à l'école de kinésiologie et de loisirs de l'Université de Moncton, où j'enseigne des cours de spécialité dans les programmes d'éducation physique et de kinésiologie. Mes intérêts de recherche s'articulent en général autour de la santé et de mieux-être dans le milieu scolaire, donc de la population scolaire, mais aussi dans le milieu de travail. Plus particulièrement, je suis intéressé à l'entraînement par intervalles de haute intensité, mais aussi à l'évaluation des habiletés motrices de base, habiletés motrices fondamentales. Pour ce qui est de ce programme, je suis vraiment chanceux et en même temps honoré. Vraiment, je peux le dire, d'être invité et aussi de travailler dans ce programme de maîtrise. J'étais attiré au début par sa nouveauté et en effet, ses particularités interdisciplinaires. Alors, ma contribution, donc ce que j'espère de pouvoir apporter ici, c'est mon expertise en éducation en général, mais en éducation physique en particulier, pour la formation des futurs agents et agents de recherche en santé. On entend toujours, en parlant du mot EPS, donc éducation physique, au début dans ma formation, le S signifiait sport. Aujourd'hui, notre association nationale, c'est éducation physique et santé ou éducation physique et à la santé Canada. Alors, juste par l'entremise de ceci, ça dit beaucoup. On parle de santé physique, on parle de santé intellectuelle et des autres types de santé que mes collègues ont déjà dit. Alors, moi, je suis intéressé, j'apporte mon expertise dans ce domaine et j'invite toutes ceux ou celles qui sont intéressés, bien sûr, de nous joindre. Sans retarder, je souhaite à tout le monde une bonne réflexion et pourquoi non, peut-être la bienvenue à nos futurs étudiants et étudiantes dans ce programme. Et ça sera un plaisir pour moi, comme nous tous, tous nos collègues qui font partie du corps professoral, de travailler avec vous. Donc, on vous attend avec nos bras ouverts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Auréa, pour la belle présentation. C'est toujours un plaisir de travailler aussi en collaboration avec toi. Nous allons passer maintenant pour des cours qui sont à faire en études dirigées. C'est vraiment des enseignements qui sont pointus, spécialisés, que ce soit en laboratoire, n'importe quel genre de laboratoire, ou bien même avec
la compréhension de l'utilisation des données secondaires. Alors, il y a un cours qui s'offre présentement sous la direction de Grant Hendrigan, qui est intitulé « Les techniques de laboratoire dans l'analyse des mouvements humains ». Puis là, je laisse à Grant de pouvoir présenter son cours. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais garder ça quand même bref. Je vois que le temps y avance, puis on est un petit peu en retard sur notre horaire, puis je vais laisser le temps pour les questions. Je vais commencer par me présenter rapidement. Puis même avant ça, je vais dire que je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'enseigner un cours puis de travailler avec des étudiants dans ce programme. C'est quelque chose que j'attendais depuis plusieurs années. Et quand ça a commencé cet automne, j'ai tout de suite réalisé l'impact que ça va avoir pour moi pour le futur. Puis je suis content d'avoir cette occasion de travailler dans ce programme. Je suis professeur en KIN, kinésiologie à l'Université de Moncton depuis 2012. Je suis un collègue à Oria qui vient de présenter. Ma formation au complet, c'est en kinésiologie. J'ai fait ma maîtrise en physiologie de l'exercice et mon doctorat à l'Université Laval en biomécanique et contrôle moteur. Tous mes projets de recherche portent sur le bienfait de l'activité physique, autant sur le plan cognitif que physique ou physiologique. Je m'intéresse également à la prévention des chutes et j'ai travaillé avec de divers groupes dans la population, incluant des personnes âgées, des jeunes adultes, des personnes qui ont sclérose en plaques, entre autres. La plupart de mes projets sont quantitatifs, donc qui nécessitent des outils, des instruments. Je m'intéresse beaucoup à la technologie, l'application dans l'étude du mouvement. Puis le cours que j'ai l'occasion de donner cet hiver, c'est un cours de technique de laboratoire qui est un cours, selon la nature du cours, que c'est des études dirigées, ça soit adapté aux besoins des étudiants, spécifiquement leur programme, sans trop perdre, en fait, sans perdre vue de l'importance de l'interdisciplinarité. Mais vu que c'est un cours un peu plus spécialisé, ça nécessite une concentration sur un sujet, puis ces sujets-là sont adaptés aux besoins des étudiants. Un exemple dans le cours tout de suite, c'est avec une étudiante qui analyse des données qui viennent d'un système de capture de mouvement, un système qui disait dans le développement de jeux vidéo et des animations comme des films, entre autres, mais on sert pour faire des analyses quantitatives du mouvement d'un humain. Donc, l'étudiante concentre sur sortir les données de cet instrument. Donc, je pense que pour résumer le cours, je pense que c'est un cours qui peut être offert pour plusieurs différents étudiants, adapté à leurs besoins. Beaucoup d'emphase dans ce cours par rapport à la technologie, vu que c'est un cours de technique de laboratoire, puis on est dans l'art de la technologie avec des mesures. Je pense que dans l'ensemble de ce que je vois dans ce programme, c'est le plus satisfaisant pour moi, c'est avoir l'occasion de travailler avec des étudiants, puis de voir qu'ils se développent, puis d'avoir eu l'occasion de voir tout le travail que mes collègues ont fait à l'automne dans leur cours, et que les étudiants y arrivent préparés pour le cours qui ont suivi qui suit cet hiver avec moi. Donc, encore une fois, je suis enthousiaste par rapport à ce programme. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'occasion de travailler avec les étudiants et mes collègues. Puis je souhaite continuer à travailler avec vous dans le futur. Merci. Sylvie? Ton micro, Sylvie. Oui, c'est fermé. Là. Merci beaucoup, Grant. Étant le premier professeur qui donne une étude dirigée en santé du programme, puis il est déjà bien équipé dans son laboratoire qui devrait attirer certainement plusieurs étudiants. Alors, il y a aussi des études dirigées connexes qu'on n'a pas encore de cours particuliers, mais comme je vous ai dit, les étudiants ont la possibilité de prendre n'importe quel autre cours de niveau 6000 pour pouvoir continuer à alimenter leur projet de recherche. Alors, nous sommes vraiment, Nathalie, si tu veux commencer, la partie de la collaboration, l'approche collaborative et la recherche collaborative. Alors, je te laisse la parole, Nathalie. Merci, Sylvie.
Donc, on arrive vers la fin de la session, mais un point très important et qu'on voulait s'assurer de vous présenter, c'était notre partenariat. Donc, comme vous pouvez constater, ce programme est vraiment appuyé sur des partenaires communautaires et qui sont fondamentaux au projet de recherche de nos étudiants et étudiantes. Donc, le réseau de santé Vitalité, entre autres, est un de nos partenaires principaux du programme. Donc, les étudiants et étudiantes du programme peuvent s'affilier aux unités cliniques apprenantes du réseau Santé Vitalité selon la thématique de leur projet de thèse, bien sûr. Donc, j'inviterai maintenant Mme Brigitte Sonia Ferguson et Mme France Le Breton du réseau Santé Vitalité. Donc, Mme Brigitte Sonia Ferguson est la directrice générale recherche, développement scientifique et formation. Et Mme France Le Breton est la lead clinico-administrative de l'unité clinique apprenante santé des aînés. Donc, si on peut passer à leur PowerPoint, leur présentation suivra dans quelques secondes. Donc, bonjour Nathalie. Est-ce que l'attente était que je projette de mon côté ou OK? Non, Sylvie s'en occupe là. Ça marche. On va transférer de diapo. Désolée, j'ai pris la mauvaise diapo. Sky est en train de nous organiser. Ouais, je recommande. C'est correct. Je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter ou qui ont déjà quitté, mais l'enregistrement va être disponible immédiatement après la session, donc ceux qui pourront revenir. Peut-être, Brigitte, tu l'as plus accès? Ouais, peut-être. Je pensais avoir ouvert le bon, désolée, j'ai ouvert peut-être le mauvais. Sincèrement, désolée pour cette erreur. Mais je l'ai accès, donc je peux certainement partager mon écran. S'il vous plaît, Brigitte, précis. Donc, si vous voulez juste me valider, vous voyez bien. C'est clair, oui. Juste pas en mode diapo, là, faudrait. Non, OK. Donc, voilà, ça marche. Merci, Brigitte. Désolée pour l'erreur. Non, aucun problème. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Donc, dans les débuts du développement du programme de maîtrise interdisciplinaire en santé, on a été interpellés très tôt par Mme Robichaud-Extrand et Mme Nathalie Carrière par rapport à être un des partenaires majeurs pour la livraison de ce programme-là. Nathalie a fait référence au fait qu'on allait vous présenter aujourd'hui un peu nos priorités de recherche à Vitalité, mais vous allez voir qu'à Vitalité, on a pris un peu une approche différente par rapport à comment on veut développer notre mission universitaire. Donc, nos établissements de santé, bien, on s'entend que c'est en vocation principalement clinique. Donc, notre culture universitaire dans nos établissements de santé, elle est très jeune. Donc, on a établi un plan d'action pour développer cette mission universitaire-là et on s'est arrêté sur la stratégie de devenir un système de santé apprenant. Donc, un système de santé apprenant, c'est un système dans lequel on parle beaucoup que la recherche informe les soins aux patients, donc des soins basés sur les données probantes. Mais la réalité de la chose, c'est que les données probantes ou la recherche, ça prend encore 17 ans souvent à les découvertes qu'on fait au niveau du laboratoire ou d'un bench. En moyenne, on parle de 17 ans avant que ça se rende au chevet du patient. Donc, il y a beaucoup de personnes bien plus intelligentes que moi qui ont pensé à qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ce processus-là. Puis, il y a eu un shift dans la pensée au niveau de la recherche en santé sur peut-être que finalement, on ne fait pas la recherche sur les bonnes choses. Donc, on a toujours parlé de que la recherche devait influencer la pratique, mais dans un système apprenant, la pratique influence la recherche. Donc, on veut que le patient sorte de catalyseur de changement puis de catalyseur d'innovation. Donc, l'idée, c'est d'apprendre de chaque interaction qu'on a de notre système avec le patient. On veut avoir une capacité d'apprendre, de s'améliorer, d'évaluer puis d'innover. Donc, vous allez voir que ça veut dire que finalement, on
on n'a pas des axes de recherche qui sont tellement prédéfinis, mais on veut s'ajuster selon différentes thématiques de santé aux besoins en temps réel, puis aux problèmes en temps réel qui font face à notre système. Dans un système de santé apprenant, mais il y a des grandes composantes. On doit avoir accès à des données. On doit avoir une vision d'intégrer la recherche vraiment dans la livraison des soins. Puis, on doit aussi penser à des volets d'interdisciplinarité pour avoir justement un peu cette approche holistique-là. Puis, on doit aussi avoir une plateforme pour créer une communauté d'échange pour permettre justement à toutes les parties prenantes de pouvoir interagir puis identifier les problèmes qu'ils veulent solutionner. Donc, Mme Carrière a fait référence aux unités cliniques apprenantes, mais c'est le moyen que Vitalité on a décidé de privilégier pour créer cette communauté-là qui inclut des patients et qui inclut aussi le corps médical, qui engage le corps médical, qui engage les décideurs à l'intérieur du réseau et les professionnels de la santé et les gestionnaires de terrain, mais aussi les partenaires qui sont pertinents selon la thématique. L'idée de l'unité clinique apprenante est basée sur le modèle albertain des Strategic Clinical Networks. Donc, on a travaillé de près avec les gens justement de Alberta Health Services pour parler de leur modèle puis de voir comment est-ce qu'on pouvait l'établir et l'adapter à notre réalité au réseau de santé Vitalité. On a lancé nos trois premières unités cliniques apprenantes en décembre 2019, janvier 2020, juste avant l'arrivée de la pandémie. Donc, ça a été assez intéressant comme lancement, mais on a déjà commencé à voir des bonnes choses en sortir, d'où l'intérêt d'avoir ma collègue, Mme France Le Breton, avec moi aujourd'hui. Donc, France, si on regarde la structure à l'écran, on voit que le comité principal de l'unité est leadé par deux personnes et France agit justement comme un de ces leads clinico-administratifs-là au niveau de la santé des aînés. Là, France, je ne vais pas te mettre sur spot comme tel, mais je vais juste te donner la chance de te présenter, mais peut-être qu'on pourrait le faire dans le contexte de la prochaine diapositive, justement. Comment ça fonctionne, justement, cette unité clinique apprenante-là? Donc, comme j'ai mentionné, l'unité clinique apprenante, c'est une communauté de gens qui discutent autour d'une table. Finalement, c'est vraiment ça. Puis qui regardent dans leur thématique spécifique, c'est quoi les grands problèmes qu'ils perçoivent? Est-ce que ces problèmes-là sont réellement appuyés par des données probantes ou des données qui existent, des évidences? Puis comment est-ce qu'on les priorise? Puis comment est-ce qu'on les résout? Donc, France, justement, avec l'initiative de santé des aînés, je peux peut-être t'inviter juste à parler de l'expérience brièvement de ces rencontres-là, mais ça a apporté vraiment une nouvelle dimension à tout l'aspect de comment on prend notre décision par rapport à la priorisation de problèmes à résoudre à l'intérieur du réseau. Merci, Brigitte. C'est ça, moi, mon titre au réseau de santé UTMT, c'est directrice régionale des services aux aînés. Ça fait qu'au départ, tout service ou problème d'accès au niveau de la clientèle de 65 ans et plus passe par mon secteur. Puis quand Brigitte m'a présenté cette méthode, cette façon de fonctionner là, c'est sûr que de mon côté, c'était vraiment bien vu parce que en ayant un co-lead qui est un directeur médical, puis en ayant la recherche appuyée, venir nous appuyer dans tous nos projets, ça fait avancer beaucoup les projets qu'on a en cours. Puis on a aussi accès à beaucoup de partenaires pour venir nous appuyer dans tous les projets des services aux aînés. C'est sûr qu'au départ, quand on a commencé des aînés, on les retrouve partout. Ça fait qu'on avait beaucoup de partenaires qui est le développement social, le ministère de la Santé, les foyers de soins, les services extramural, tous les partenaires. Ça fait qu'on a pu consulter beaucoup de gens pour savoir qu'est-ce que c'était vraiment la problématique sur le continuum de soins pour les personnes âgées. Ça fait de là vient la multidisciplinarité.
On a eu des gens de tout secteur qui sont venus nous partager qu'est-ce que c'était pour eux les écarts de soins. Puis c'est à partir de là qu'on a pu développer jusqu'à maintenant. On a 4 projets qui sont sur la table, en train de se faire travailler et monter. Puis on a parmi ces groupes de travail-là toutes sortes de partenaires, toutes sortes de professions qui viennent appuyer ces projets-là. Puis, c'est sûr que quand nos projets vont être un petit peu plus avancés, ben, ça va être un terrain fertile pour bien des projets de recherche qui a au cœur la personne âgée. Puis, juste une petite parenthèse, en vous entendant parler, je suis peut-être la définition parfaite d'une multidisciplinarité. Étant donné que j'ai un bac en kinésiologie, je suis ergothérapeute de profession, j'ai une maîtrise en administration des affaires, puis je travaille dans le nursing. Ça fait que je suis pas mal bien placée pour ce volet-là. Merci beaucoup, France. Je pense que c'est important pour moi qu'elle puisse parler de l'expérience de façon un peu plus concrète, mais vous pouvez imaginer que dans un modèle comme les unités cliniques apprenantes, c'est vraiment un terrain propice pour favoriser la formation d'une relève en santé, puis des professionnels en santé, puis aussi des professionnels de recherche en santé qui approchent des problèmes de façon holistique, comme on a parlé, puis aussi en ayant une perspective beaucoup plus large. La diapositive qu'on a là, vous vous présentez brièvement, c'est long, mais je pense que vous aurez probablement accès aux diapositives par après, mais ça vous donne juste un peu l'exemple du cycle qu'on veut passer à travers l'unité clinique apprenante pour lancer justement des projets on n'aime pas dire des projets pilotes, on aime dire des projets phares, parce que ça va mener à une plus grande étendue, puis on veut vraiment que nos projets passent à plus grande échelle puis peuvent avoir un plus grand impact à travers la province. Brièvement, une petite diapositive animée, mais c'était juste pour vous démontrer qu'on a lancé 3 unités cliniques apprenantes. On vise à en lancer pas mal plus. Il va y avoir beaucoup d'opportunités de continuer de travailler avec l'Université de Moncton puis le programme interdisciplinaire en santé pour voir comment des étudiants ou comment même le corps professoral peut s'intégrer et être membre de ces unités-là. On veut que chaque unité soit supportée par une expertise en recherche puis une expertise scientifique dans les différentes thématiques. Puis l'idée encore là, c'est de nourrir puis de supporter nos personnes sur le terrain dans le milieu de la santé à pouvoir faire de la bonne planification de projet, mais aussi avec la rigueur scientifique ajoutée. Donc, j'aime de dire qu'on brise vraiment des silos, puis on brise même le silo du chercheur académique. Donc, on veut forcer nos chercheurs académiques à sortir un peu de l'université aussi, puis de venir à la table, puis de dire comment mon expertise, même si ce n'est pas mon sujet de recherche peut-être principal, mais comment mon expertise ou mon expérience peut aider à faire avancer ou à trouver des solutions aux problèmes qui sont jugés pertinents pour les différentes thématiques. Finalement, pour terminer, c'est vraiment une intégration et une interdisciplinarité. Donc, on veut vraiment devenir une organisation qui est apprenante, qui est intégrée, qui est centrée sur les besoins des patients, qui engage tous ses membres, puis qui pense aux patients dans son plein continuum de soins. Donc, d'où l'importance d'avoir les partenaires autant au niveau communautaire qu'académique, etc. Donc, merci beaucoup. Un gros merci, mesdames. Je pense que Sylvie ou Pascal, vous allez retourner à notre PowerPoint initial pour qu'on puisse juste clôturer avec quelques informations additionnelles. Bonjour, Nathalie. Est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord. Parce que j'ai de la misère avec ma assistante à mon tour. Alors, je me demandais si toi, est-ce que tu pourrais continuer? J'arrive pas à... Je peux ouvrir. Je vais la réouvrir, on va voir ce que ça donne. Mais j'arrive pas à... Alors, même si on ne l'a pas d'ouvert, c'est bien correct. On peut juste continuer. C'est ça, parfait. Alors, tout le monde me voit? Oui. D'accord. Alors, c'était le partage que j'arrivais pas à faire. C'est correct.
D'accord. Alors, peut-être une des questions les plus importantes, c'est quelles sont les perspectives d'emploi pour les diplômés et les diplômées du programme? Effectivement, il est toujours possible de continuer ses études au niveau du doctorat, faire de la recherche interdisciplinaire ou de la recherche qui est plus disciplinaire à ce moment-là. Vous avez déjà acquis tous les atouts méthodologiques pour pouvoir y arriver. Il y a aussi le réseau Santé Vitalité et Horizon et tous les autres réseaux de santé qui offrent parfois, évidemment, des postes de professionnels de recherche. Les professeurs et les chercheurs qui ont des programmes de recherche ont aussi du financement quand ils ont des gros programmes subventionnés par des conseils, d'engager des agents de recherche pour les aider dans leurs programmes de recherche. Il y a aussi le ministère de la Santé qui, chaque département, peut recruter justement des personnes qui veulent se spécialiser plus dans la santé des populations communautaires, publiques, environnementales, santé mondiale, puis politique de santé, ainsi que la qualité et les soins au travail. Une autre préoccupation par les étudiants, évidemment, c'est les bourses. Alors, il y a plusieurs types de bourses qui peuvent être accordées généralement au mérite. Alors, je vais vous faire référer au lien qu'on vous a mis dans la présentation, que vous voyez probablement aussi dans le chat, qui c'est le lien de l'université qui va vous amener justement à différentes venues pour pouvoir y arriver. Alors, dans le lien, une des choses qui est importante, c'est la trousse d'informations dédiée à l'étudiant et à l'étudiant. Elle a été conçue pour justement en trois sections pour si vous avez toujours des questions, vous pouvez le lire, qui répond à plusieurs des réponses. Vous pouvez aussi avoir des liens à différents niveaux, qui est le directeur, quelle est la liste, qui je peux contacter, comment je peux contacter, etc., quelles sont les bourses, puis quels sont des numéros de téléphone importants. La deuxième partie, c'est quand vous allez faire votre demande d'admission, qu'on espère. Là, à ce moment-là, vous avez toutes les procédures à faire, comment y arriver, qui contacter si vous avez des problèmes. Et la troisième partie, quand vous allez être admis dans la trousse d'informations que vous allez trouver sur le lien que vous pouvez cliquer, c'est quels sont les formulaires, quelles sont les exigences, quels sont le cursus pour un temps complet et un temps partiel. Alors, ceci termine vraiment la présentation. Puis, nous souhaitons vraiment répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont dans le chat, puis peut-être que Pascal va pouvoir nous guider face à ça. Nathalie et moi, on est prêtes, ainsi que tout autre professeur ou personne, de pouvoir vous répondre. Parfait, merci. Je ne vois pas encore de questions dans le chat, puis je vais juste me permettre d'arrêter l'enregistrement avant qu'on commence.